Bonjour à tous, c'est StarKiller1989. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour Uncharted 2 Among Thieves, hein. Donc, on est sur le deuxième jeu, épisode. Et le deuxième épisode de la série, justement. Hein. Donc, on avait tourné le premier épisode hier dans la matinée. Voilà. Donc, on est au chapitre. Je pense que ça doit être le chapitre 3 ou 4. Par effraction, on va continuer les potes. C'est parti. On est parti encore pendant 40 voire 50 minutes de stream. On y go. Est arrivé ici, voilà. On devait échapper au laser. Ça commence d'entrer, les frères. Allez, c'est parti les frérots. Je dois éviter les lasers. Je peux pas tirer, ça sert à rien. Ok, cette fois je suis cuit. Je connais le chemin plus ou moins par cœur. C'est rien, réfléchis Nate, réfléchis. Ah. C'est là d'où on vient les frérots. On y go, on saute, on s'en bat les steaks. Allez, boum. Récompense? Quand c'est que j'ai une récompense? Oula le bug! Oula le bug! Oula! Sans pression frère! Comment je peux faire pour sortir? On y go! Allez les frérots! Ciao les blaireaux! Ciao les blaireaux! Et merde. T'aurais pas oublié un petit détail, dis-moi, partenaire. Quoi? Bah ouais, Nigo, tu t'es fait avoir. Ah, vraiment? Hé, hey, attention! Abruti, vous gâchez mon show, là. Ah, quel dommage. Sully, je peux pas te laisser une seconde sans surveillance. Oh, mon vieux, je suis content de te voir. Ah bien, Nate. J'ai déjà connu mieux. Bon, j'ai dû graisser quelques pattes. J'ai utilisé le reste de ton fric, et aussi un peu du mien, mais bon, hein. Ah. Oh, ce que tu pues. Peut-être, mais pas autant que tes cigares. Ouais. Comment tu m'as trouvé? En fait, une amie à toi a fait appel à moi. Salut, Nate. Oh non, non. Attends une seconde. Sully, vire-la d'ici et ferme la porte. C'est pour ton bien. Oh, laisse-lui juste deux minutes. Et écoute-la. Merci, Victor. Et sérieux, Sully. T'es pas le mieux placé pour me conseiller. Surtout en ce qui concerne les femmes. T'as raison, toutes les mêmes. Grand Dieu. Oh non, c'est pas si mal. Regarde, j'ai mon propre seau. Dans ma dernière cellule, on devait tenir à 8. Écoute, Nate. Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici. Mais si toi et Flynn ne m'aviez pas doublé en beauté, hey, attends une je n'aurais pas pourri au Mita pendant ces trois derniers Nate. Mois. Alors excuse-moi si j'ai pas envie de te sauter dans les bras. Je n'avais rien à voir avec ça. Ouais. Je te l'avais dit. Il ne voudra pas m'écouter. Ça suffit. Nate, ils ont trouvé les navires. À Bornéo. Ouais. Oui. Et la pierre de Shintamani? Comment tu sais un truc pareil?
Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul? Ok, bien vu. Non, ils n'ont pas encore trouvé. Comment ça, il? Flynn et son client, Lazarevitch. Tu sais, Barjo, ils collaborent ensemble depuis le début. S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps. Emmène-nous jusqu'au site de fouille. On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Ils vont rien voir venir. Ah ouais, et je vais me venger. Regarde, ça s'appelle le joyau des désirs. C'est un objet sacré. Comme un sacré Graal bouddhiste. C'est ça. Merci. Sully, écoute ça. Dans le royaume de Shambhala, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé. Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter. Ouh, ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Et il y en a d'autres comme ça? Plein d'autres. Lazarevitch a payé très cher l'éternel Marco Polo. Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps. S'il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie. Si j'obtiens les fichiers de Lazarevitch, je trouverai cette pierre. Une minute, cow-boy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les fichiers sont dans sa tente, et sa tente est en plein milieu d'un camp. Et c'est une vraie place forte. Il y a des soldats partout. Eh bien, pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe. Quelqu'un qui nous en confiance. Ah, ok, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il faut juste faire une diversion. Donne-moi 5 minutes dans cette tente, grand maximum. Vraiment, 5 minutes. Très bien, j'aurais même pas à enlever le haut. En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion. Ah, ça. Ça aussi, je peux le faire. T'es ok? Ok, oui, tu peux totalement compter sur moi. Chloé, tu nous reçois? 5 sur 5. On se rapproche. C'est parti les gars, chapitre 3, Bornéo. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer. La première doit être juste devant vous. C'est parti. Ah voilà, il est là, nickel. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien les gars. Ouais, j'ai vu que tu l'avais, Théo. Très bien. Première charge en place. Ne touche pas au bouton. Celui-là? Bon allez, on est parti les potes, on va essayer d'arriver au 4ème ou 5ème chapitre ensemble. Appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice. Ils sauront jamais ce qui les a eus. Faites attention, Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre. Allez Sully, on y va. Nickel, pro. Putain, ce perso les gars, Sullivan, Victor Sullivan, c'est le meilleur. Les gars, faut pas trop y... Toujours le duo. Bon, vous l'avez bien vu, hein, dans cet épisode-ci, on a croisé... T'as amené une pute à l'église? Moi, c'est Mathieu. Non, mais je veux dire, ouais, on a trouvé... on a rencontré un nouveau personnage emblématique de la série Uncharted, hein, qui s'appelle Chloé Freezer, je crois. On va s'occuper de ces types. Oh oh. Faut qu'il aille là-bas. Mancha. Allez, tiens, coucher. Donc c'est un personnage qui va devenir important au fil de l'aventure Uncharted. Vous verrez. Elle est cool. Un peu cochonne sur les bords, on est d'accord. Vicieuse aussi, méfiante. Elle est spéciale en fait, hein, Chloé. C'est pas la Elena Fisher, etc. Par contre, je quitte sinon je lag. Ouais, non, quitte, hein, bro, parce que sinon, en même temps, c'est logique. Oh, si tu live en même temps que tu vas regarder des lives, moi je ferai jamais ça. Hein. Ça va, frérot? Comment tu vas? Bon, c'est parti. Ah, désolé pour hier, hein, je voulais streamer sur Fallout, mais bon, je le ferai. Ce soir, hein. Ce soir, j'aurai sûrement mon perso corps à corps. On va faire pas mal de... On va faire un très long stream ce soir. Je vais commencer, je sais pas, je pense... après qu'on aura été courir, tu vois.
Et comment dire? Bon, lui, il va manger. What the fuck? Il a fait tomber le lampadaire au calme. T'as vu la bande-annonce d'Automatron? Elle déchire. Ouais, ouais, je l'ai vu, frérot. Je l'ai vu. Couché. Putain, les gars, je les défonce! Putain, je peux pas. Non. Là j'ai fait de la merde. C'était chaud. On a eu chaud les frérots. Ouais ouais, sinon ouais, je l'ai vu, elle est vraiment bien. J'ai vu en français en plus. Ah, il paraît que le DLC nous réserve, malgré son contenu, il réserve quand même des choses intéressantes. Il paraît que la fin du DLC, donc avec le boss là, je sais pas si t'as vu le mécaniste, ouais c'est le mécaniste, il paraît que c'est super stylé le combat et tout. C'est vraiment bien fait. Du coup, on verra ça les frérots, on verra vraiment ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais on commencera pas le DLC avant d'avoir fini au moins l'histoire principale, c'est la devise les frérots. Trop stylé ce jeu perso les gars. Sully toujours avec son Colt 44 hein, des années 1787. Le flingue il a pas rouillé depuis les gars, hein, c'est voilà la base. Il en reste un an. C'est bizarre. Ah non. La musique s'est arrêtée. Par contre je pense qu'il y a un flingue ici, je suis pas sûr. On va aller voir vite fait. Et sinon, non, rien à voir. Je croyais. On continue les potes. On continue les frérots. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui arrivent. On est encore une fois sur Uncharted 2 les potes. Épisode 2. Intéressant. Voilà le camp. Tu penses être prêt? Allons-y. Bon, lui va morfler. Hop, coucher. Il va venir par ici, je crois, si je me souviens bien. Dans tes boules! Brr! Ok, à plus. Bon, les gars, on va faire la fusillade parce que regardez, donc lui, c'est limite impossible d'aller le chercher. Headshot. Il m'a saoulé. On peut pas péter ça. Putain, on peut pas péter ça. D'habitude ça pète, bizarre. Moi aussi il va avoir du mob. Ah, voilà ce que je cherchais. Manger la petite triplette des familles. C'était beau. Headshot bitch. Hey, ils font trop les dingues. Ils ont cru que j'étais qui moi? Un simple touriste. Alors là y a rien. Normalement y a un trésor je crois. Par contre là Sully, oui merci. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, allez. Voilà, munitions Dakar. Je sais pas si on les a tous tués, hein, frérot. Semble bien, non? Ah, mais gros, si tu tires. Non, qu'est-ce qu'il fait? C'est chaud, là.
cherchais. Oh, j'ai fait de la merde par contre. Oh les gars, on les défonce et on est en normal hein. Perso, j'ai pas mis facile, on est vraiment en normal et ça se passe plutôt tranquillement hein. Franchement, GG, ça... Ça va corps. Il y a eu déjà du plus mauvais gameplay que ça. Ah, il y en a encore un, il est où? Bah, il est mort, il s'est fait des... Putain, il s'est fait exploser par celui, les gars, là. Bon, maintenant, il va falloir mettre... activer les bombes pour aller à l'explosif. C'est les petites... Il y en a 0 sur 4. Les petites lumières vertes qui clignotent, hein. Faut juste les activer. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très très bien aujourd'hui. N'hésitez pas à venir encore une fois me parler en commentaire hein, sur Twitch. Retrouvez-moi ce soir si vous êtes intéressé pour du Fallout 4. Et du Fallout 4, il faut savoir que j'ai créé un perso corps à corps. N'hésitez pas pour ceux qui veulent d'aller voir sur ma chaîne YouTube, donc Star-Killer1989. Je vais le mettre dans la description en fin de vidéo. Pour aller voir comment dire mes nouvelles informations. En fait, il faut savoir que j'ai deux persos sur Fallout 4. J'ai mon perso où je fais l'intégrale et que je publie sur YouTube. Et mon perso corps à corps comme je vous parle maintenant, que là on fera que sur Twitch. Ça reste, les vidéos resteront que sur Twitch et on fera des streams beaucoup plus longs. Comme ça on pourra plus parler, on aura plus le temps de se poser des questions. Parce que bon, ici vu que j'ai raccourci mes vidéos, c'est 40-50 minutes maximum. Quelque fois on n'a pas tout le temps. Ouais, celui est à l'aise deux secondes. J'explique un petit truc là. Le type sans pression. Donc voilà la dernière charge. Donc voilà en résumé hein, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir. C'est juste un titre informatif pour ceux que ça intéresse. Voilà tout simplement. Donc voilà l'échelle, c'est là-bas qu'il faut aller. On peut quand même dire que le jeu il est super bien fait hein. Les effets de lumière sont pas mal. C'est pas les meilleurs mais regardez les ombres et tout, c'est terrible. Allez Playboy, saute. Très bien. Allez Playboy, saute. Tu voudrais faire un régime, celui. Merci. C'est parti. C'est bon. Oh, il a fallu un gros tsunami pour entraîner ces navires aussi loin dans les terres. Bah putain. C'est plus un tsunami, c'est une vague accélérate, gros. Et quoi que même, non. Une vague accélérate, c'est moins dangereux. Enfin, c'est moins pire. Allez, c'est parti, on continue les potes. Sinon, il n'y avait rien juste ici. Putain de truc tombe toujours en panne. Faut la réparer pour qu'on se tire de là. Regarde, ils sont pas armés. Oh. Un petit combat des familles. C'est pas celui, peut-être. Ouh. Allez, par-dessus la troisième corde. Tiens, manche. Trois pêches, il est mort, hein, les gars. Perso. Alors, le mode combat, donc le mode corps à corps dans Uncharted 2, il est quand même mieux fait, faut l'avouer. Comme une merde, le type s'en bat les couilles, les gars. Dégage de ma vue. Oh, oh, j'aurais pas aimé. Non, mais les types, les gars, franchement, ils ont fait l'armée, c'est pas possible. Oui, c'est des kung-fu. Ils ont fait du karaté, je sais pas. Ou d'autodéfense. Parce que hormis que ce soit un chasseur de trésors, un voleur de trésors, on va dire comme ça, les gars, franchement. Tu suis toujours les tuyaux. Comme à Montréal. Comme à Montréal. T'as, avant, je connaissais les dialogues par cœur, maintenant, j'ai un petit peu oublié. C'est longtemps. J'ai pu jouer aussi. Chapitre 4, les fouilles. Je crois que je peux voir le camp. Donc on suit toujours les tuyaux, comme d'hab, hein. Voilà, on y est. Ok, t'es prêt. À un moment, on va voir la première apparition du méchant. Voilà. Oui, mais attendez, on s'en sort. Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça? Non, non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, non. C'est pas la peine, t'inquiète. Je suis
vous entourez de traîtres et d'idiots. Ça te dirait de pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez! C'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. C'est parti. Putain, mais ce flingue, les gars. Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Oh, c'est classe aussi, ça. Bon, lui, on va lui gâcher sa journée aussi, je crois. C'est dommage que t'es venu par là, mon gars. Il fallait pas. Allez, merci pour la K. On va essayer de la jouer discret. Je vous promets rien, les gars. Lui, là-bas, on va le défoncer. Viens par ici, toi. Merci. Il m'a pas vu, les gars, il m'a pas vu. Hein. Vraiment, il m'a pas vu. Par contre, je pense qu'ils vont plus bouger de place. Ça va être saoulant. J'aurais peut-être dû bouger avant. J'ai envie de le faire discret en fait. Si jamais il bouge pas, je le tuerai. Allez, bouge de place, please. Bon, il m'a saoulé. Ok, merci. 4 balles. Le type. Ah, quand même, il était temps. Là, gros, il me racontait sa vie, le type. Allez, merci, à demain. On y est. Ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le 17e siècle. Le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. C'est censé avoir un sens? Je sais pas. Attends, ça continue. C'est avec grand-peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin. Un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi ? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors ? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver ? Shambhala. Là, à Bornéo ? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas ? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct, jusqu'à Shambhala. Quoi ? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends ? Attends. Où est celui-là ? Au cours de toute leur recherche, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? Non, maintenant que j'y pense rien du tout. Pourquoi ? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Vous iriez où en cas de tsunami ? Le plus haut possible ? Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas ? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Ils sont morts. Oh, merde. Dispersion. Bouge pas, gamin. Je te cours. Des grenades. Cool, c'est pratique. Ah, ça c'est intéressant. Donc voilà, hein, apparition des grenades dans l'épisode 2. Dans l'épisode 1, on les avait dès le début, je crois. L2, hop, L1. Double meurtre, motherfucker. Enfin, je crois. Hop, là on fait une petite triple. Allez! Couchez-vous. Ouh, c'est chaud. Vas-y, mange-toi la grenade.
Je pense qu'il y a un West quelque part. Je sais plus où il est, les gars. Il est là-bas. Mon flingue. Oh, est-ce que je l'ai remis ? Terrible. Touf, touf. On m'appelle El Cowboy. Non, je rigole. Et passe. Ok, mon téléphone pète un câble. Logique, logique, logique. Putain, les gars, j'ai plus de munitions, ça va être chaud. Ah ouais, mais j'ai mon flingue là, ça va. J'ai rien dit. Il s'approche de moi. USS. Tu veux dire quoi par là, frérot? J'ai pas compris le truc, en fait. Il est où, le mob? Il spawn comme des saints. Ouais, c'est ça, en fait. Et il tire où, le celui, en fait, là? Il est où, le mob? On va aller le chercher. Je pense qu'il est bugué, en fait. Il est là-bas, non? Ah. Renfort. Bouffe ça. D'habitude il dit mange ça. Mais là il dit bouffe ça. Il en avait marre. Il était pas bien. Putain, c'est même pire qu'un spawn ça. On est en train de faire un génocide, les gars, là. Tu peux toujours. Je couris. J'ai compris, c'est lui. Non! Non! Je voulais pas mourir! Je savais qu'il y en a un qui allait arriver à droite, c'est ton foiré! C'est compris, c'est lui! Ça, j'avais trop bien joué jusqu'à maintenant, dommage! Bah, oui. Ouais, mais à un moment, il faut mourir, les gars, là, hein! Je veux bien, vous avez 3000 gilets par balle. Ouais, je sais ce qu'il faut faire. Ah. Je sais plus comment on fait pour... Je sais pas si c'est bon. Ah! Je pense que c'est plutôt comme ça que je peux le faire. Voilà, faut juste faire ça. Putain. Nickel chrome. Allez, regarde, en plus ça nous a fait un chemin, des familles, nickel. On y go. Ça doit être par là. Ah, c'est quand même dommage, hein. Je voulais vraiment pas mourir, les gars, j'ai vraiment cet esprit là, j'aime pas pas, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, j'aurais pu éviter cette mort, en fait. On va où, là? Ok, puis à gauche. Wow, Sully,
Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Pas mal, la vue, pas mal, pas mal, pas mal. Regardez l'eau en bas et tout, on voit vraiment comme si on était tout, allez, tout près, quoi. Y a aucun bug de texture, c'est... Enfin, bug, bon, c'est quand même une remasterisation, mais... Les gars, regardez, dans la forêt, on voit le brouillard et tout. C'est une tuerie, en fait. C'est vraiment trop bien fait. Regardez la mer au loin. Franchement, GG. Ils ont fait du bon travail. J'attends le 4 avec impatience, mais de ouf. Ils sautent toujours des arbres, ouais gros. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Allez, c'est parti, on y va. On s'aventure. Cet endroit doit avoir des milliers d'années. Effectivement, on va dans la genre de grotte comme ça. Par contre, les gars, je vois que dalle. Je sais pas si vous aussi. Ah, il met sa lampe enfin. Désolé pour le petit reflet. On va voir des centaines de corps ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. Eh oui. Mais c'était pas une très bonne idée, je crois. Vu le carnage. Ah, souris. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici. Quoi? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Ah! Ouais, c'est ça. C'est de la résine! Sully, passe pas ton briquet. C'est pas la première fois. Sully, la lumière. La lumière. La lumière! Waouh! Énormissime, mes amis. Ah. Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. Il y aurait un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. Ouais, mais je veux dire... je trouve qu'il est bien remasterisé, tu vois. Parce que c'est quand même une version PS3, la version PS3, tu vois. C'était... faut suivre les traces. C'est pas par là, je crois. Je pense qu'il faut aller là-bas. Ouais, voilà, les traces de sang sont là. Oh putain, là, elles sont fortes. Ah. On dirait qu'elles s'arrêtent à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Mais oui, parce qu'on peut aller de l'autre côté, mes amis. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore, alors. Vas-y, puis il a une jambe cassée, merde, il peut plus continuer l'aventure, frère, c'est chaud. Encore des cadavres. Oh mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Moi ? Moi, repérer ? Mais alors, si je me suis fait repérer, vous vous êtes fait repérer aussi, les gars. Même les jeux PS3 avaient pas beaucoup de bugs. Ouais, c'est vrai que Uncharted, quand même, ils avaient pas. Faut avouer, vous avez pas de bugs. Mais je trouve que, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour une version remasterisée, c'est bien fait, quoi, tu vois. Ils ont amélioré le truc. Attention. Oh my god. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas faire une crise cardiaque. Wow. Wow, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route. Et alors, c'est ça? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où exactement? Le sacré purba. Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises.
avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais. Sauf que... ce n'est plus un champ de temple, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le corps d'ici. Ok. A plus. Faut qu'on y aille. C'est parti. Donc voilà, on a trouvé le fameux Purba qui viendrait du Tibet. Donc un passeport sacré, mais qui ne s'avère pas être qu'un passeport. Hein. Il est plus que ça, mais vous le verrez par la suite. Pour ceux qui savent déjà, ben, vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, vous le découvrirez. Allez. Harry ! Par ici ! Dis-toi quoi, ça dirait ! C'est Drake ! Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air ! Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi ? Ce vieux Victor Sullivan ! Tu trimbales encore ce sac à merde avec toi ? Toulou, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non? Tu trouverais pas ton quelque chose sur une console? J'aime cette blague. De merde. Ils sont sortis de là-dessous. Oh. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue. Merde! Tu vas bien? Ouais, bah, comme ça, ce sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît! Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Fais chier, ils nous ont repérés. Oh! Oh oh! Non! Je pense que je suis mort. J'assure! Merci pour le coup de main. Arrêtez un peu de tourner. Viens, allons-y. On se casse! Ah la salope! Mais attends, 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 c'est pas que salope! Toi, c'est tu vas retirer ce que t'as dit. Attends deux secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Le saut de la mort. Savoir quand il est temps de partir en rentrée. Toi, c'est des malades. Mais moi, je le ferai pas, frère. Ça sort toujours. Ouais. Enfin, maintenant, si je suis... Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, hey, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh merde! Oh, oh merde! En faire, gamin! Oh putain! Oh merde! Fais chier! Ouais, c'est vrai quand même. Mais bon, elle les a aidés, tu vois. Elle a bien joué son jeu, encore une fois. Et nous voilà au Népal, les frérots. Par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant.
Ouais, bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Mec ? Allô ? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. J'y vois ? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte ? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. Tu connais le bail, hein, frère. Oh, génial, tu peux les semer ? J'ai bien peur qu'ils te soient déjà trop tard. Allez. Mec, tout va bien ? Je connais mieux. Je connais mieux. Ah, elle a pris cher le tout là. Elle a pas eu contenu. Elle se fait détruire. Chapitre 5, guerre civile, les potes. Nous voilà, on est pas là encore une fois. On va bientôt s'arrêter là. Je vais m'arrêter juste après le gunfight ici. Mais ils en ont pas marre. Ouais, ce jeu il est vraiment terrible, franchement les gars. Moi je prends un plaisir à jouer à ça quoi. J'ai plus... Oh merde. Ok. Le vieux marché. Et ça doit être par là. Trouvez-le. Putain. Allez, allez, allez! Bah, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Tirez dans la gueule! Allez! Oh, comment j'ai chopé les gars, bouh! Hey, busy, busy! Motherfucker! Et voilà les gars, on va s'arrêter ici malgré tout. Je pense qu'on est bien pour s'arrêter ici. On est déjà à 45 minutes de vidéo. J'espère en tout cas que cet épisode 2 d'Uncharted 2 Among Chef vous aura plu. Moi en tout cas, je prends un énorme plaisir. Hein. Ça fait au moins la troisième fois, même si pas la quatrième fois que je le termine. Et... J'éprouve toujours autant de plaisir à le faire. C'est vraiment une tuerie, hein, enfin, l'action dans le jeu là. Enfin voilà, il n'y a pas de... voilà, on peut rien dire dessus. C'est vraiment extraordinaire, c'est magnifique. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, blindé. N'hésitez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De follow si ce n'est pas encore fait non plus, si ça vous intéresse aussi. On va faire du Diablo 3 Reaper of Souls directement après. Donc il y a 3 lives ici qui vont arriver. Il y a du Diablo, enfin avec celui-là en plus. Il y aura du Diablo et du 2 Division. Et ce soir, je vous promets du gameplay sur Fallout 4 au corps à corps. On va vraiment rigoler. On va essayer de faire au moins 1h30, voire plus en live. Je commencerai un peu plus tôt. Et l'intégrale, donc mon autre perso hein, qui est actuellement au niveau 37, je crois au 36, on le continuera cette semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite bon appétit pour tous ceux qui vont aller manger, une bonne après-midi, un bon dimanche à tous et à tout de suite les potes. Ciao, ciao.